J'ai pas envie d'être toute seule. Un petit rôle dans La Mise à l'aveugle il y a 3 ans, et voici Christine Beaulieu donnant la réplique cette année à Roy Dupuis dans Ceci n'est pas un polar. Cet été, on peut également la voir dans Le Mirage de Ricardo Troggi. Une nomination au Jutra pour Joël Paré-Beaulieu grâce à son rôle dans Qu'est-ce qu'on fait ici de Julie Yvon. Nominée elle aussi au Jutra pour le rôle de Nicole, Juliane Côté a fait le tour du monde grâce au dernier film de Stéphane Lafleur, Tudor Nicole. Cette année, elle était également de Féminin Féminin, la web-série de Chloé Robichaud. Révélée il y a 2 ans dans l'affaire Dumont, Marilyn Castonguet a d'abord donné la réplique à Xavier Dolan dans Miraculum, puis à Guy Nadon dans le très peu vu Ange Gardien. Je comprends pas, je peux vraiment pas. Il peut pas m'entendre. Ben, il m'a dit que j'avais le rôle. Faites l'école, tu dois être correct. Enfin, à 29 ans, cela fait déjà plus de 5 ans qu'elle enchaîne les rôles au cinéma. Mais cette année, c'est surtout dans Le Petit Dernier de Raphaël Ouellet qu'on peut la voir. Gurov et Anna pour Sophie Desmarais. You're running away! Comme il y avait des intervenants et des toxicomanes sur le plateau et des... Premier rôle dans Gabriel de Louise Archambault en 2013, Alexandre Landry était cette année du Scaphandrier et de L'amour au temps de la guerre civile de Rodrigue Jean. Au niveau de la toxicomanie et de... Second rôle dans Corbeau de Mathieu Denis cette année, Antoine Lécuyer se fait remarquer cet été face à Roy Dupuis dans Le bruit des arbres. Il était également de College Boy, le clip d'Indochine réalisé par Xavier Dolan, où il interprète un tortionnaire d'Antoine-Olivier Pilon. Lui-même, cinquième espoir nommé pour sa performance dans Mommy. Entre 14 et 18 ans, t'aimes la musique, la danse, la fête. Lui aussi nommé au Jutra, Jean-Carl Boucher interprète l'alter ego de Ricardo Troggi dans 1981 et sa suite 1987. Avec Internet, tout le monde va réussir à trouver l'âme sœur à coup sûr. Enfin, un second rôle dans Le Dernier Denis Arcand et une incursion dans la dernière comédie d'Émile Goudreau, Le Vrai du Faux, pour Mathieu Quenelle.